La famille, c'est la recette d'avoir des clients. Voilà, avoir beaucoup de clients. C'est la recette-là que je partage aujourd'hui avec vous, mes chéris. Vous avez fait pour les autres, là. C'était marché, non? Voilà. Même aujourd'hui, j'ai fait certains témoignages sur ma page de Amarillo, là. J'ai fixé là-bas, voilà. Donc, j'avais pris la photo, là. J'ai mis. Donc, je vais mettre ici encore la photo, là. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça se passe, mes chéris. C'est très important d'avoir des clients. Parce que ce n'est pas facile quand tu vas travailler comme ça. Si le client ne vient pas, vous devez payer la rente, ça doit payer, il y a des sous, tout c'est basé avec la recette là. Ok, non, mes chéris. Donc, ces recettes, c'est très simple, c'est naturel, il n'y a rien dedans, mes bébés. Qu'est-ce que c'est? Très simple. La recette, c'est comment? Je vous montre, vous allez voir. C'est la feuille de basilic, vous le voyez, non? Voilà. C'est la feuille de basilic là, fraîche. Pour moi, c'est fraîche, mais c'est au glace, c'est pour cela. C'est au glace, c'est pour cela, vous le voyez comme ça. Donc, vous allez chercher fraîche, voilà. Voilà, voilà. Vous savez, il y a deux types de basilic, non? Donc, il y a le gros, il y a le petit. Donc, pour moi, c'est le petit que j'ai comme ça. Le gros, là, donc, il y a tout. Donc, ça doit être fraîche. Pour moi, c'est pas fraîche. C'est fraîche, mais c'est le glace qui l'a changé. Donc, voilà. Vous allez chercher comme ça, basilic, là. Quand vous allez chercher basilic, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos seaux là, vous allez mettre dans vos seaux, seaux propres, se nettoyer bien. Vous allez laver comme ça le basilic, vous allez laver dans l'eau comme ça. Vous allez la laver comme ça le basilic bien. Vous lavez bien le basilic là ici. Quand vous allez finir de laver, vous enlevez le déchet là. Vous mettez, vous prenez le cou de girafe, je vous montre ça aussi. Voilà le clou de girafe. Vous le voyez, non, c'est le clou de girafe. Voilà. Voilà. Vous allez écraser les poudres là. Vous écrasez ça en poudre. Pas de nombre, une bonne quantité. Vous prenez une bonne quantité. Quand vous allez finir d'écraser comme ça, vous allez mettre dedans. Ok? Vous allez mettre dedans. Voilà. Vous allez parler vos vœux. Quand vous allez finir parler vos vœux, vous allez faire comment? Finir parler vos vœux. Vous allez partir là où tu vas. Si c'est de la maison, si c'est de la boutique, si c'est de salon, si c'est de couture, tu vas mettre dans un bidon d'un litre, nouveau bidon, litre, tu mets dedans. Quand tu mets dedans comme ça, l'eau là-dedans, tu mets dedans comme ça. Il faut aller, tu commences dehors, tu mets l'eau, tu ajoutes l'eau là, tu mets ça dehors. Tu vas mettre dehors, après tu rentres dedans, tout le coin de ta boutique là, là où tu vends, tu arroses avec l'eau là. Tu vas arroser comme ça avec l'eau. Tu jettes l'eau là comme ça. Partout, dehors, partout, tu jettes l'eau là. En parlant tes vœux. En parlant tes vœux. Il faut faire ça, mes chéris. Vous allez venir me pointer ici par grâce à Dieu. Juste deux ingrédients. Basilic avec clou de girafe. C'est ça, mes chéris. Merci là-bas. Faites, vous allez venir me pointer encore. Merci, mes cœurs. Donc,